Bonsoir. On reprend Narzeu. Donc on s'était arrêté la dernière fois où on devait se libérer des sans cœurs. Alors, qu'est-ce que j'ai comme truc? Ok. Bon. Ah oui. Et pour une raison que j'ignore, Jack a oublié tous ses trucs. Toutes ses compétences. Voilà. Donc, on va faire une mission. Oh, c'est peut-être la mission la plus simple du jeu. C'est vraiment pas compliqué. Donc, vous faites gaffe. Le coup, faites gaffe que ça pouvait toucher les ennemis. Et voilà. Au passage, on peut équiper un nouvel objet pour sort. Ouais, vraiment juste à s'approcher des barils et de faire triangle. Ils sont partis. C'est la deuxième fois que je vois cette canaille filer à bord de mon vaisseau. Mais je le retrouverai bien assez tôt. Ouais, bon, en gros, là ils disent qu'ils à Elisabeth de rester à bord parce que ouais, c'est une femme. Voilà. Non, je peux sauvegarder aucun truc. Ce truc là, ignorez-le. Ignorez-le pendant un bon petit moment. Je vais essayer de me faire quelques ennemis histoire de restaurer ma vie. Attention. Ah, ça c'est chiant. Allez, viens là. Viens là, putain. Que c'est chiant quand ils se retrouvent comme ça. Voilà. C'est pas compliqué, bien. De montrer leur réaction. Voilà. Je la trouve stylée, leur réaction. De toute façon, les réactions dans ce jeu sont stylées pour la plupart. Bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai fait. Là, je voulais juste recharger ma jauge de flux. Donc. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais restaurer mes MP et ensuite je vais snobber tous les ennemis jusqu'à Barbossa. Parce que oui, on va affronter Barbossa, je pense qu'on s'en doute un peu. D'ailleurs, je vais faire le setup tout de suite, comme ça, j'aurai pas à le refaire si, cas, si je crève. Alors, pour Barbossa, je vais mettre des éthers. Beaucoup d'éther. Pareil pour Jack, je vais lui donner des éthers. Alors, histoire d'être clair tout de suite, le combat contre Barbossa, la grosse difficulté, c'est qu'en fait, le combat, on le perd si Jack meurt. Voilà. Et comme on est niveau 1 et que l'IA est conne, bah voilà, je vous laisse imaginer un peu le bordel. Vous pouvez mourir aléatoirement parce que Barbossa a décidé de focus Jack. Sinon, dans les attaques, Barbossa, la grosse attaque qu'il faut se méfier, c'est son flingue. Son pistolet. Son pistolet est imparable, je sais pas pourquoi. Miroir, glacier, ouais, vous avez besoin de glacier surtout. Ah oui. Vous les mettez en soutien. Comme ça, ils font pas n'importe quoi. D'ailleurs, vous désactivez tous ceux qui consomment des MP, comme ça ils ne lanceront pas des MP sur eux-mêmes comme des abrutis. Ah, j'ai besoin de Donald pour sa coop et pour la fusion. La fusion de sagesse. Alors, on va snober les ennemis. On va sprinter. Voilà. Manuel les ennemis, hein, c'est pas important. Attention juste là. Merde. Ah zut. Bon attends, tu vois. En fait j'ai fait une erreur. Parce que je sais pas pourquoi l'espace d'un instant j'ai oublié que j'étais sur la version japonaise et j'ai inversé le rond et le X. C'est X pour sauter sur la version japonaise. Oula. Voilà.
retentons notre chance. La dernière pièce du trésor aztèque a été restituée. Maintenant, le sang va être versé pour nous libérer de cette malédiction pour toujours. Cette fois, pas d'erreur. Wow! Regardez-moi ce trésor. Je sais pas comment ils ont quasiment rien repris du film. On a tout compris là. Capitaine Jack Sparrow. Sora. Et Dingo. Vous voulez jouer les pirates? Vous devriez réserver ça pour le bal masqué. Attrapez-les! Pourquoi ça lague? Oula. Je sais pas pourquoi ça lague là. Le bal masqué, hein? Merci, Sora. Waouh, où est Jack? Sans la musique qui va avec, c'est tellement moins épique. Vas-y, Jack! Quoi? Que dis-tu? Hein? Jack! Tu es un crétin, Jack Sparrow. Là, ça a été censuré cette scène là, sans occidentale, on voit pas son épée dans son corps. Je sais pas pourquoi ils ont censuré ça, mais bon. Pourquoi ils ont pas dit les dialogues du film? Jack! Enfin bref. Montre-toi, Pat! Le vent a tourné! Ah, je savais que tu aurais besoin de ton vieux Pat! Par contre, pour l'aider au combat, toi, tu fais rien, Pat. Enfin bref. Donc affrontons le capitaine Barbossa. Alors tout ce que j'espère, c'est que mes alliés ne font pas les cons. Là-bas. Merci les gars. Ah putain, oh le con. Oh le con. Putain. J'ai tout fail. Oh. Putain, j'ai oublié de mettre les étés en raccourci. Bon, attends. Hop. Je fais ça pour pas avoir à recommencer. Vos alliés sont des crétins. Vous êtes à un sort de plus avoir de PM. Mais ils vous lancent pas des terres, c'est abruti. Je ne ferai pas de commentaires. Et comme je disais, le problème dans ce combat, c'est bien que Jack peut mourir. Si Jack meurt, c'est game over. Merci, par contre vous auriez pu éviter d'hésiter tous en même temps. Merci. Oui, c'est aussi simple que ça. Merde. Ah, faut juste faire gaffe à ce flingue. Merci. J'aurais pu faire ça avant, mais ça aurait fait. Non, mais merci quand même. Ah oui, non, mais c'est pété, hein. Yeah.
Voilà. Il est complètement gratuit si vous utilisez la magie et la sagesse. Je crois que c'est le boss le plus facile jusqu'à maintenant. Ah mais il est complètement gratuit si vous faites ça. On se reverra. Cette fois, tu es prêt à te rendre. Et il y en a qui disent que la magie est inutile. Bon, cela devient pénible. Regarde un peu. J'ai un nouvel argument. Jack, combien de fois devrais-je te le répéter ? Rira bien qui rira le dernier. J'ai froid. Non, je trouve vraiment que par rapport à l'interprétation du scénario du film, c'est un des plus mauvais mondes. Ils auraient pu mettre tellement plus de trucs, tellement plus de musique du film déjà, ça aurait déjà été mieux. Et maintenant, Jack ? Je suis libre d'aller où je veux, le Black Pearl est de nouveau à moi. Certes. Merci. Jack. J'ai cru que t'allais encore me frapper, matelot. Hey Jack, bonne chance. N'oublie pas de ce que je dis. Adieu. J'aime bien le perso de Jack Sparrow, mon perso. Will. Comme c'est mignon. Oh oh! Dis donc, Sora, pourquoi t'es devenu tout rouge? Quoi? Mais je suis pas tout rouge. Ah, je sais ce que tu penses. Oh, yo. Hein? Ouais, bon bref, c'est une liste à nouveau verrou. On gagne le Keyblade qui sert à rien. Et si elle a une utilité pour un truc, bon, ça on en reparlera. Bref. Ok, donc là on a le choix entre deux mondes, donc Aladdin ou l'étrange Joël de Monsieur Jack. Alors. Bah, vous savez quoi? Moi je pense que je vais faire Aladdin en premier. Voilà. Je vois pas trop de raison. On va faire ça vite fait. Ah, juste, je trouve la musique de ces missions Gumi géniale. Allez, c'est parti! Ce sont mes missions Gumi préférées en termes de musique. Donc là, faut y tirer sur certaines parties, sur la partie qui a un réacteur bien aiguillé. Voilà, repousser. Vous pouvez tuer cette roue si vous avez une grosse puissance de feu. Je montrerai vite fait comment créer un vaisseau bien pour les missions du nuit. Mais je les ferai pas par contre. Pas trop bon. Je suis pas trop shoot them up à la base. Euh...
Donc avoir les 100% dans la mission de nuit, c'est chaud parce qu'il faut toucher tous les ennemis rares, voir tous les objets. À la fin, tu gagnes une couronne qui te permet d'être en mode furie indéfiniment. Non, en contrepartie, tu gagnes un seul HP. Enfin bref. Je ne vois pas trop l'intérêt. À part si vous êtes sur PS3 et vous voulez la platine. Ah là, on a une espèce de petit boss. Voilà. Bien. Du coup. Alors le premier combat d'Aladin, on n'est pas obligé de le gagner, c'est bien. Je sais que c'est le monde d'Aladin. Hop, Atera Agrabah. Il faut vraiment être bête pour se dire que c'est un autre monde quand même. Ou alors de vraiment ne pas connaître être Aladin tout court. Pourquoi il y a des petits lags quand ça switch de cinématique comme ça? Enfin bon. Bon, le plot globalement c'est un remix. C'est un remix de Aladdin 2. Je me demande comment vont Jasmine et Aladdin. Riku est peut-être avec eux. Et le roi aussi. Avoue que tu pensais la même chose, Donald. Non, c'est pas vrai. Oh oh oh, c'est c'est Yago. Non, vous vous trompez. T'es à peu près le seul piaf du désert, mec. J'ai changé, j'ai tourné la page. Je suis honnête maintenant. Fini les coups tordus, promis. C'est ton nouveau baratin? Pas du tout, je vous assure. Ça va, on y va. J'étais coincé dans la lampe avec Jafar. Vous vous souvenez? J'ai réussi à m'échapper, mais j'ai nulle part où aller. Eh ben, t'es libre d'aller voler ailleurs. C'est ça, salut. Oh, les amis, il a l'air si triste. Que nier. Je veux m'excuser auprès d'Aladin et Jasmine. Vous pourriez peut-être glisser un mot, ma faveur. Bon, je me rappelais pas que les... Mais bien sûr, bon, n'est-ce pas, vous autres? Ok, des ennemis. À part se battre. Ah voilà, on n'est pas obligé de gagner ce combat de toute façon. Oh, mais d'où est-ce qu'ils sortent? C'est vraiment pas doué, hein. Il est sans cœur. Par ici. Oula, j'ai pas compris si c'était ce bruit par contre. Ta gueule, Yago. Oh,
bref. Ouais, pour une fois, on nous donne la carte au début, je suis incroyable. Alors, qu'est-ce que t'as là? C'est plein de nouveaux trucs à synthétiser. Ah. Ah tiens, vas-y, c'est 3 d'XP. C'est l'armée. Ouais. Ouais, j'ai plus d'éther. Je vais pas en racheter pour l'instant. Oui, aussi. Ça, je vais le mettre, c'est bien. Alors, cette coopération dans la version française, dans la version originale, Kingdom Hearts 2, pas Final Mix, était extrêmement puissante. Mais quand je dis extrêmement puissante, c'est genre tu pouvais retirer deux jauges de boss avec. Malheureusement, ils l'ont extrêmement nerfé dans la version Final Mix, du coup elle est nulle à chier maintenant. Bref. Vous savez quoi, ça sera un court épisode, mais je vais m'arrêter ici pour cet épisode. Je vais le faire là au cas où il y aura un problème. Voilà, et donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut, je sais que ce sera un court épisode, mais là j'ai un truc à faire. Allez, salut!